Bonjour internautatrice et internautateur, ici Galen pour les jeux du cygne. Et la 22e caravane va repartir sur Sunwalkers. Alors, on avait commencé à faire la quête agromancie pour voir si on n'arrivait pas à améliorer les choses dans la caravane. La 21e, c'était un peu planté. Mais c'est ainsi. On n'a pas d'autres quêtes actives. Et donc, on va démarrer gentiment, mais sûrement, le manque de macérat, bien dommage, parce que j'en ai besoin pour fertiliser les cactus. J'ai donc rien pour le faire. Il va donc falloir que j'aille en chercher directement sur Yoz. En fait, donc je vais partir comme ça et puis ensuite je vais remonter directement. Hop, on va faire des petits combats au passage. Hop, comment c'est... Pourquoi est-ce qu'il avait perdu de la vie? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je peux lui faire? Je peux lui faire... Il attaque sur qui? Bon, c'est bon, il ne fait rien. Hop, moi je le tue. Il one shot tout. C'est abusé. Ah oui, et lui, j'avais pas chopé. Ça faisait quoi, je fais affaibli aussi avec lui. Youp là. Ah oui, le truc, c'est que j'ai pris des buffs de dégâts. Yoz, c'est par là. On va l'ignorer. Qu'est-ce que ça me donne? Plus 4 d'intelligence, plus 2 de bouclier, c'est pas mal ça. Pour 10% de santé, allez. Intelligence et bouclier, ça serait sur lui. Ah non, sur lui. Lui, il fait des dégâts. Là, c'est empoisonné. Ça, c'est intelligence. Et ça, c'est intelligence aussi. Hop, allez. Comme ça, ça lui fera un peu plus de boue en étant devant. Et ben, nouveau combat. Hop. Ah ouais, j'en ai deux qui attaquent avant là, c'est cool. Lui, il attaque. Non, dommage. Mon assassin. Hop. Stune. Ah non, pas stune. Mais à fait. Oui, eux ils résistent au physique. Pas aux dégâts mentaux. Hop. J'ai pas un truc, non. Mais c'est pas très efficace contre les dégâts mentaux, vraiment. C'est vraiment hyper important d'avoir des persos qui agissent en premier, quoi. Ça change tout. Yoz un peu plus au nord, un peu plus au sud, directement à l'est. Hop. Ah!
Et ben je vais arroser. Dommage, j'aurais bien voulu faire fertiliser, quoique. Ça se voit. Alors, est-ce que tu me donnerais... Alors, marché, je vais pas avoir grand-chose, je pense. Si, je peux avoir des popos, mais je veux du macérat à moi. Tac-tac. Non, pas ça. Je suis pile poil bon. Ça me va. Recrutement, c'est toujours le diplomate. Par contre, je peux avoir de la bouffe en plus. Je le prends. Hop. Recrutement, je m'en fiche. Marché, je viens de faire. Hop. Donc j'ai chopé du macérat, j'en ai chopé 3. J'en ai besoin de 4, forcément. Ce serait pas drôle sinon. Bah, je vais aller... Oui, sauf que j'ai rien à revendre à Mousa Wekosi. Donc il faut que je fasse d'autres combats. Là, je vais choper un tesson poli. Une petite embuscade. Toi, tu ne m'attaqueras pas. Toi, t'attaques derrière. Mais t'attaques pas la vie. Et toi, t'attaques le truc. Hop. Et de toute façon, je peux t'affaiblir et te stun. Donc bim. Vraiment, l'arrêt de l'auto, ça me ferait. C'est déjà un petit peu plus énervé. Lui, c'est quoi? Il fait posture défensive. Ça me va. Les deux attaquent le tank, mais ils vont lui faire un peu de dégâts. Et lui, il attaque. Très bien. Donc, ça ira. Ah. Adieu. Ça, c'est des dégâts d'eau. Et ça, c'est tenu. Ça m'indiquait qu'il lui restait un PV, mais en fait non. Pas dégâts de zone. Toi t'es pas... Ah si t'as quand même un peu de résistance. Bon, ça fait quand même des dégâts. Un PV. Parce que j'attaque, mais je l'attaque. D'accord.
Là, lui, il va m'embêter. Ouais. Lui, il m'embête pas trop. Il m'embête pas trop. Et lui, il m'embête aussi. Allô. Tuit. Ça, c'est fait. Ensuite, on va affaiblir lui. Et là, si je charge, je le tue. Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Hop. Hop. Et hop. Et surcharge. Et surcharge. Ah oui. Et plus surcharge. Alors je peux faire des level up, j'ai quoi, j'ai 91? 35, oui. Level up. Level up de qui? Level up de l'assassin. Hop. Alors là, ça me fait une petite attaque de zone. Celle-ci, j'en veux pas. Et là, j'améliore dagage. Qui fait globalement plus de dégâts. Ah mais si, je l'ai celle-là. C'est une upgrade. Plus de... oui, je vais faire plus de dégâts sur dagage. Et je peux faire un autre level up sur lui. Où je vais améliorer cette compétence-là. Plus de dégâts. Exalté, barrière. C'est bien aussi ça. Plus de dégâts, c'est potentiellement du stun. C'est... plouf plouf. Oh, ça fait du bruit. Allez, plus de dégâts. Hop, à l'assaut des fourmis. Fourmis de niveau 2. Alors, toi tu m'attaques mon tank. Et à l'arrière, mais tu n'endommages pas le... attends, n'endommage pas la vie, donc de toute façon là je peux... hop. One shot. C'est bien. Merci les fourmis. C'est gentil d'être venu. Pas très très fort ça. Et je suis en surcharge. Et je suis plus en surcharge. Mosenkozy, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est quand même nettement plus vert que sur la carte maintenant. La vache. Il y a quand même eu un vrai progrès. Ah si, je suis toujours en surcharge. La bidoche, c'est lourd. Je peux jeter un sonnet. Le sonnet, ça rapporte 8. Hop, je vais me débarrasser de ça. Le somnambule, je peux pas le réveiller. Laissons le passer. Et soyons découragés. Badabadam. Ouais, c'est quand même pas la même de se balader dans une zone où c'est ouvert. Hop.
Saleté. Bah, ils étaient tous à... je suis pas d'accord. Je suis totalement pas d'accord. Je pense Ton, mais je le tue carrément. Il me fait quoi? 23 plus brûlure. J'ai de la résistance. Et si je me fais ça, plus 34 de bouclier. Si ça, je vais, du coup, je vais l'arranger. Mais lui, il va pouvoir m'attaquer encore. J'y arrive pas. Ah, si, là, je peux. C'est bon. Et dans toute une heure. Ah, je pensais que je l'avais tué. Oh, c'est quoi ça? Robe de Grimm. Ah ouais. C'est rare de trouver un artefact comme ça. Plus 4 points de santé. Ah, ça va être pour lui, hein. Hop. Et je suis trop lourd. Et on va t'améliorer, toi. Pour améliorer ta levée de bouclier, qui va rajouter épine ou plus de boubou. Le problème, c'est que les épines, en fait, c'est contre-productif. Parce que la prochaine attaque reçue est subie par le protecteur allié. Je sais, en fait, est-ce que les épines font effet avant protégé ou après? Je ne sais pas. Eh ben, on va tester. Je vais éviter d'utiliser la bouffe si j'en ai pas besoin. Il est où mon arbre? Il est au nord. Ah. Hop là, de l'eau. Même ça, je vais peut-être pas le prendre parce que je suis surchargé, donc... Ah non, je peux revendre ça déjà. Tac. Hop, je veux du macérat, des popos. Je peux revendre mes sonnets. Tout ça, je le garde, c'est de la bouffe. Plus 2 de santé, plus 1 de bouclier, plus 4 en intelligence. Zouf. J'ai pas assez de sous. J'ai pas assez de sous. Reviendra plus tard. Hop. Est-ce que je peux rendre service? Non. Ça, je vais le garder. Ça, c'est toujours la même chose. C'est le diplomate. J'ai pas besoin de recruter. Hop. Donc maintenant, j'ai suffisamment de macérat pour pouvoir faire la quête en entier. Le tout reste ensuite de survivre. Mais normalement, ça, avec cette équipe-là,
Ça devrait le faire. Les paresseux. Bon, on va essayer de. C'est marrant, comme à chaque fois, c'est pas. Aucun signe de salut de leur part, nous avions un mauvais pressentiment. C'est marrant, les events ne sont pas tout le temps les mêmes. Bon, bah là, j'ai eu de la bouffe. Hop. Hop, regagnons un peu de morale. Alors, faire des fourmis. Tiens, ma dague, ça en stun pas deux. Non, ça en stun un, mais ça fait des dégâts à l'autre. Je suis surchargé. Mais je récupère de la viande, donc c'est pas grave. La viande, c'est bon, c'est juteux. Cette vivre. Est-ce que je peux le t'acheter? Un truc comme ça, non. J'ai pas assez de fonds. Par contre, je peux te reprendre. Non, je peux pas te reprendre ça. Eh ben, je vais garder mon éclat de chitin. Hop. Alors, qu'est-ce que j'upgrade? Ça qui me rajoute aveuglement. F course, et toi qui me rajoutes de l'intelligence, F course aussi. Allez, et on part vers les contrées arides avec un Z. Là, je vais perdre de la vie. Non, je vais perdre de la bouffe en stock. Par où je vais passer? Dommage que la carte se mette pas à jour avec les zones vertes. Là, je crois que j'en ai que je peux refaire. Un lac de cristal. Gagnons de l'espoir. Nous sommes désormais enthousiastes. Au niveau des vilains. Ils sont niveau 2. C'est parti pour le massacre. Hop, lui, il one shot. Et potentiellement lui aussi, oui, avec son exalté initial. Voilà. C'est ce qu'on appelle de la viande. Facilement gagné. Et de l'expérience. Hop, un peu d'XP. Là, j'ai de la bouffe potentiellement pour plus tard. Là, j'ai de la bouffe potentiellement pour tout de suite. Mais. Ah non, ils sont toujours niveau 2.
Ah, j'arrive toujours pas à le stun. Et avec ses 50% de résistance. Avec ça, je le stun. Ça, c'est quand même. Il n'y a pas beaucoup d'importance. Alors, qui attaque qui? Lui, il faut le stun. Lui, ça va. Et ça, ça ne me stun pas les deux. Non, ça stun aucun des deux. Là, il me fait quoi? Ouais, ça va. Bon, je le tue carrément. Lui aussi. Bon, au choix. Commente pas beaucoup parce qu'il y a quand même pas grand chose à commenter. Et je suis en surcharge. Je vais encore l'être parce que derrière ça, il y a le campement. Vive 30 sur 40. Qu'est-ce qui rapporte pas grand chose? Ça, ça rapporte pas grand chose. Ça non plus. Alors, coffre de voyage que je peux ouvrir. Fétiche barrière, donne barrière 2 à un allié. Pioche, corde, armure. Alors, pioche, ça m'intéresse. Pioche, ça peut m'intéresser. Ah, j'aurais bien pris celui-là, mais non. Hop, j'ai besoin de la pioche. Alors, ça, résistance, ça va être pour. Pour 71-28. 4 points de santé. Alors, je pense qu'il vaut mieux que tu aies plus de résistance que plus de points de santé. Hop. Galvanise à tous les alliés. Inflige 100% de dégâts physiques à un ennemi. En première ligne, 100% de la force. Donc si c'est la force, c'est quand même plutôt toi. Galvaniser, ça peut être n'importe qui. Plutôt toi, pourquoi pas. Même si je doute de beaucoup m'en servir. J'ai 12 de bouffe que je peux prendre. Donne 7. Donne 7 et ça. Oh, putain, ça peut être 23 ça, la vache. C'est lourd. Ah non, c'est la valeur. Donne 7, donne 10. Hop, les cordes. Les cordes, on s'en fiche. Pour les moulins, il faut du bois, oui. Bois, ça, c'est une macéra. Et ça, c'est des pièges. Ah oui, les pièges, j'en ai beaucoup trop, en fait. Ok.
Alors, je pourrais offrir un repas, je pourrais commercer. Ah, sauf que j'ai plus grand-chose à échanger. Puisque j'ai tout revendu. Ouais, les pièges, j'en ai trop. Finalement. Vingt-cinq, 60, c'est tellement cher ça. Oui. C'est des monstres niveau 4 maintenant. Là, je vais pouvoir récupérer du métal. Rien que ça. J'ai l'impression qu'en fait, les. Ah oui, d'accord. Ce que j'ai réparé est toujours cassé. Enfin, est toujours. Toujours réparable. Ah, zut. Là, je peux plus aider les survivants. Fuir. Ouais, je peux me contenter de fuir. Grenade plus 3. J'ai pas envie de me mettre mal. Bon, je les ai jamais rencontrés, mais le jour où je les rencontrerai. Allez, un petit combat niveau 4, là ça va plus être tout à fait la même. Eh ben non, c'est pas du tout un combat niveau 4. Ok, adieu. Et adieu. Il y a une frontière invisible entre. Ouais, là c'est le nouveau niveau 2, alors que juste à côté c'est le niveau 4. En surcharge. Consommons. Et dans consommons, il y a saumon. Pardon. Ah, ou c'est lourd par contre le métal. Oh non, ça pèse 3. Ah, c'est qu'il y a aussi du bois, d'accord. Ça, j'en veux pas. 88 sur 85, je vais jeter une pioche, j'en ai trop. Et un petit level up sur mon assassin. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Non, c'est pas sur l'assassin que j'aurais dû le prendre. Galvaniser épine, bof. Plaie ouverte sur tous les 4, ça me plaît. Mutilation. Ça fait un peu plus de dégâts que le dégage normalement, mais non, je vais prendre du dégât de zone. Presque pas challengé.
Je suis déjà enthousiaste, donc hop. Là, j'ai quoi? C'est plus 10 euros. Plus 40 de bouffe. Ça m'en fait trop. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Ça, c'est un event qui est un peu mortel quand même. Ah, eux sont niveau 4 par contre. Là, c'est plus tout à fait la même. Et c'est bon, comme ils font des défenses, c'est pas bon grave. Défendez vos copains. Ça changera pas grand-chose. Si, la différence c'est que quand même ils sont assez blindés. Lui il faut le stun pour éviter qu'il m'attaque. Alors ça m'attend. Lui il est toujours stun et ça c'est pas mal. Du coup, je la chaîne. Ça sert à rien, ils sont bien résistants. Ça, c'est du dégât physique. Si je fais ça, ça va me baisser mon moral. Mais ça me permet un peu de me débarrasser d'un problème. Et je reste enthousiaste. Petite plaie ouverte. Sauf que là, ça veut dire que lui m'attaque. Ah, mais je ne me tue plus. Je ne le touille plus. Eh ben, tu vas te faire ton attaque sur mon tank, c'est pas bien grave. On va faire des dégâts à tout le monde, ça me permet d'en tuer. Hein. De bouffe et je suis surchargé et ça lag. Pourquoi ce jeu lag? C'est pas normal, c'est clairement pas normal. Hop là, allez, réparons le requis. Il a brisé. Tac. Ah oui, ça redonne de, d'accord. Ça redonne de la bouffe. C'est sympathique. Ça, c'est un puits effondré. Ça, ça me donne du bois. Mais je n'ai pas besoin d'avoir plus de bois. Puisque des moulins, il faut que j'en fasse 3. Hop. Ça me redonne de la bouffe en même temps. Et là, je vais avoir un petit combat. Ou un moyen combat. Comme du niveau 4. Je préfère celui-là. Ou ce saligo qui fait du... poison. Lui, je le tue.
J'aime bien. 86. Ah, là je stun. Ah, je prends stun, hein, c'est sympa aussi. Alors là, je peux coller du ralenti, le cas échéant. Hop. Lui, ça le stun. Lui, il s'attaque à mon tank. Qui restera de la vie derrière. Et même, je vais l'affaiblir. Donc, il fera moins de dégâts que ça. Potentiellement, je peux le rustun derrière. C'est un peu abusé. Je peux faire un petit à tout le monde là. Ouais. Bien. T'es mort. Alors là, je vais choper le coffre que je vais ouvrir. Tac. Choper des cornes, potentiellement c'était de la merde. Hein, mais... Je pense même plus que potentiellement. Inflige 50% de dégâts d'intelligence de feu. Tous les ennemis à plus brûlure, sympathique. Ça c'est plutôt sympathique. Intelligence 20. Ça me plaît. Inflige 15 de brûlure. À tous. Ouais, c'est bien. C'est une bonne compétence. Toi tu vas galvaniser le cas échéant, mais je pense pas que tu galvaniseras souvent. Alors ben je peux libérer. Ah putain c'est. Et je suis surchargé une fois n'est pas coutume. Hop, je peux consommer ça. Et me débarrasser de ça. Et encore. Tac. Alors, la carte. La Pandora. Où est-ce que je suis? Moi, je suis là. Comment je rejoins par là? Je sais pas où est le pont. On a un là, manifestement. Là, je veux pas choper de bois en plus. C'est un peu naze, ça. J'ai pas bien le choix donc Ah putain c'est infranchissable. C'est infranchissable. Ok, là je rechauffe le bois. Ah, donc il faut que je passe par là. Dommage. Bah, je vais utiliser ma bouffe en stock hein, de toute façon. Je vais m'arrêter là. Je vais sans doute avoir une embuscade au passage. Ah! Eux, ils sont chiants. Aveuglez-moi tous. Alors, toi tu fais quoi? Tu enlève les effets bonus, donne hâte.
Il rajoute du boubou. Toi, tu t'attaques à mon compteur et toi, tu t'attaques à ma ligne arrière. Et tu fais des dégâts à tout le monde en ligne arrière. Saleté. Saleté. Et toi, ah si c'est bon, je te stun. Est-ce que vous craignez, vous êtes neutre sur les dégâts physiques? Sinon je le tue avec mon Assa au prochain tour. Et lui, neutre. Hop. 15 de brûlure. Il résiste, oui. Aucun intérêt. Ça c'est maintenant plus intéressant. Là, on le tue. Là, on le tue presque, mais pas tout à fait. Par contre, on peut tuer lui. Mais si je fais ça, il va annuler son attaque. On va tuer. Ah, j'ai perdu des PV. Ah non. Désolé, mais je vais être un peu obligé de m'acharner sur toi. Si tant est que je te touille. Eux, ils donnent pas beaucoup de bouffe. Hein. Deux trucs d'eau. C'est pas ouf. Pas obligé d'aller sur la zone. Ah si, pas si, pour récupérer la... Pour récupérer la bouffe. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un moulin et trois cactus. Ouais, c'est une zone où il y a quand même beaucoup d'embuscades. Les deux s'attaquent à mon tank. Je ne vais sans doute pas les laisser faire. Il fait combien mon... Ah non, il ne s'attaque à ma ligne. Rien. Il s'attaque à ma ligne arrière. Je l'affaiblis. Lui. Il laisse des PV à mon tank, donc tout va bien. Ah putain, 50% de résistance physique. Chiant. Et il faut que du dégâts physique. Est-ce que je peux arriver à le stun avec lui? Il y a peut-être moyen. Ça, hein. Ah ou sinon je mets... Ouais si c'est bon juste. Le protecteur il est fait pour prendre des dégâts. C'est son job. Les cactus, on a dit que c'était bon.
Ah non, les cactus, c'est pas bon. Faut que j'en fasse des cactus. 3 sur 5. On va aller voir par là-bas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un moulin. Nuit glacée. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Consommer de la bouffe. Ça commence à être un peu plus juste quand même. Hop. Alors, celui-là de moulin, il faut encore que je fertilise d'autres cactus. Je vais récupérer ça au passage. Oasis sans. Même si je n'en ai plus besoin. Ah, je peux faire un petit level up. Allez, chope, donne-moi ça. Voilà, régène de santé. Redoutable contre eux. Ils s'attaquent tous les deux, c'est bon. À mes avant. Ah ouais, d'accord. Il est vraiment redoutable. Lui par contre est moins redoutable, parce que c'est du dégât mental sur lequel ils ont 50% de résistance. Ou alors sinon à la limite je mets galvaniser à tous. Allez. Galvanisons-nous. C'est pas hyper utile. C'est joli. Tac. 35 de dégâts. Hop, on va se protéger. Tac. Bim. Et bim. Plus un bouffon apprécie, donc il manque encore deux cactus. Je sais que j'en ai. Non, ça c'est un puits encore. J'ai un cactus là. Et la question c'est où est le dernier? Est-ce que là c'est un cactus ou est-ce que c'est une mine? Enfin, un puits. C'est un peu le souci. Est-ce que je le tente là? Là, je suis sûr que j'en ai un. Ça me fait un peu revenir partout là où j'étais, mais... Ou sinon, je le fais en... également un peu de bouffe avec des pioches. J'ai plus besoin de mes pioches fondamentalement. Ça me fera me balader un peu par là. Hop. Qu'es-tu? T'es un puits scrognigneux. Plus de pioches. Plus de pioche, plus de pioche, pourquoi pas. Donc...
quand même les combattre, hein, mais. On y est, ça serait dommage de s'entraîner. Lire à lire, lire. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Hein. Résistance des. Alors, je pense thème 1. Est-ce que l'autre. Non, c'est bon, l'autre ne fait pas tomber en arme. Lui, il va faire mal, il faut que je l'affaiblisse. Je vais même le stun. C'est encore mieux. Ah merde, ça me désactive une compétence, c'est bon. Là, il va en protéger un. Il se fait la zone. Est-ce que la plaie ouverte, c'est j'en tue un seul? J'aurais du mal à toujours. Là, lui, je le tue. Lui il est stun et lui 59. Est-ce que lui peut faire les 59? C'est pas sûr. On va voir. Au pire il est affaibli. Ah du coup il me. Ça va. Ça se gère. C'est encore plus simple. Il se fait protéger, mais c'est pas bien grave. Hop. Ah merde, il a épine maintenant. Ça c'est chiant. Ça va, lui il a encore de l'armure. Aïe. Maintenant il est mort. Et là, boum. Allez, je voulais terminer la quête sur l'épisode. C'est un peu plus long que prévu. Géomancie, ça c'est toujours bon à prendre. Ça les souvenirs. C'est ça. Ouais, ça permet de découvrir une partie de la carte. C'est bien les deux observatoires côte à côte. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, yes, il y a un cactus là. Je vais utiliser ça que j'ai pas encore utilisé. Et le dernier, il faut que je le cherche par là. Continue à Pex, hein. À battre son embuscade. Bon, ça va. Ça va. Allez, sauf qu'ils attaquent tous les deux le même. Saleté. Ouais, il fait beaucoup. Ah ben non. Je comprends pas pourquoi ça le fait plus que ce qui est marqué. Moi, ça me va. Et le petit affaiblissement, c'est bien quand même, le moins 50% de dégâts pour affaiblissement, c'est quand même, c'est propre. Hop.
Alors, rangée arrière, colonne du haut. Et... Oh putain, les épines. Oh, celui-là, il est pas bon du tout, là. Saleté. Aveuglement, sur tous les quatre. Et on va espérer que ça fasse le taf. Là, les épines sur ce devant, je peux juste pas permettre ça. Là, je vais peut-être prendre cher. Il y a bien moyen. Allez, rate. Merde, il n'a pas raté. Si, il a raté. Yes. Ils n'ont pas de résistance. Donc je vais plutôt protéger. Oh putain, t'es sérieux, tu laisses 3 PV. Voilà, ils ont des résistances, c'est pas la peine. Là lui par contre je peux le stun. Bon ça. Lui se refait ma ligne arrière, mais il a affaiblissement maintenant. Donc ça ira. Allez. Lui aussi, on va l'affaiblir. Donc il a bien chopé les épines. Donc les épines se sont appliquées avant. Non, pas avant, parce que sinon ça leur est tenu. Donc, mais elles se sont appliquées. 69, 67. De toute façon, je les éligne tous les deux. Hop. Et je ferme une autre. Un coup de persiflage. Et j'ai mon dernier niveau 4. Je pouvais même déjà l'avoir avant. Qu'est-ce que tu unlocks ? La bénédiction ou reflet aveuglant ? 16 de dégâts physiques. Ah non, c'est des dégâts de vent plus aveuglement. Ou alors sur une rangée barrière. L'aveuglement, ça m'a quand même bien sauvé les miches plusieurs fois. Donc on va rester là-dessus. Tac. Je peux... On surcharge là. 63 sur 85, non, je peux me permettre un peu. Cristal d'améthyste, waouh. Ah, ils sont nouveau niveau 2, ça va être rapide. Ah, c'est des attaques, les cristaux d'améthyste. Ça fait quoi? Plus 30 de bouclier. Ah, c'est sympa. Je veux bien. Toi, je te one shot. Toi aussi. Ça fait quoi? Plus de... Ok. Z. Très bien.
Et t'es mort. C'est plus facile quand c'est niveau 2. Hop, on va aller là. Et puis au prochain épisode, on va redescendre. Ah zut. Je vois vraiment pas l'intérêt de choisir ça plutôt que ça. Là, tu perds moins de vie et potentiellement t'as un debuff. Bon, debuff que j'ai chopé à chaque fois, mais là non. Donc, on profite. Ah, je vais commencer à perdre un peu de vie parce que plus de bouffe. Bon. Mais, bim, valet. Terrassière Inis Loquen. Grâce à notre travail, la vallée pourrait rester verte pour des générations. Le voyage des caravanes et de tous les Ouandiens serait plus facile et la vie plus sûre, voire même un peu plus agréable. Et voilà, bon, c'est pas vert, mais c'est quand même déjà nettement mieux que ce que c'était avant. Et ça a réinitialisé un certain nombre de choses, mais pas tout non plus. Ça fait réapparaître des mobs. Nickel. Eh ben, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.